Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolou Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 défis d'aujourd'hui de Wolverine. Alors le premier défi est de battre Wolverine. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre soit à Weeping Wood ou soit à Slurpee Swamp parce qu'en fait Wolverine n'apparaît que dans ces deux lieux là. Donc moi il est apparu dans Slurpee Swamp comme vous pouvez le voir dans le gameplay, mais il peut très bien apparaître dans Weeping Wood. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans Weeping Wood il fait tout le temps un tour en rond et c'est dans le sens des aiguilles inverses d'une montre. Donc si vous le cherchez dans Weeping Wood, moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire le tour plus rapidement et pour tout simplement le croiser plus rapidement. Donc quand vous l'avez trouvé, bah là vous devez tout simplement le tuer, mais faites très attention parce que là moi je vais le tuer facilement dans la vidéo tout simplement parce que je suis en labo de combat. Et en labo de combat, bah en fait il ne se régénère pas quand il est par terre. Mais si jamais vous l'attaquez en partie normale, là quand il sera par terre, en fait il va se régénérer automatiquement. Donc s'il est en PLS et que vous ne le finissez pas, eh bien il va se réanimer tout seul. Et même si par exemple vous lui tirez 5 balles et puis après vous arrêtez de lui tirer dessus, il va regagner de la vie toutes les secondes. Donc faites très attention et essayez de le one shot le plus vite possible. Donc vraiment essayez de le focus et de lui donner tout ce que vous avez pour le défoncer. Quand vous l'aurez tué, vous pourrez récupérer son pouvoir et son pouvoir aura les mêmes capacités pour vous aussi. Donc vous pourrez récupérer de la vie s'il vous en manque, vous récupérez de la vie toutes les secondes. Donc c'est franchement un petit pouvoir assez cheaté. Enfin bref, quand vous l'aurez tué, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez le skin Wolverine. Le deuxième défi est d'infliger des dégâts avec les griffes de Wolverine. Alors pour réaliser ce défi, vous aurez besoin de tuer Wolverine. Quand vous aurez tué Wolverine qui se trouve soit à Weeping Woods ou soit à Slurpee Swamp, et bien là vous pourrez récupérer son pouvoir. Et ce que vous devez faire, c'est tout simplement infliger des dégâts aux adversaires ou même aux acolytes pour valider ce défi. Vous devrez infliger 200 points de dégâts pour valider le défi. Ensuite, quand vous l'aurez validé, vous débloquerez une petite émote de Wolverine. Et le troisième et dernier défi de Wolverine est de regagner des PV en tant que Wolverine. Alors pour réaliser ce défi, vous aurez besoin de tuer Wolverine. Donc quand vous l'aurez trouvé et que vous l'aurez tué, vous allez pouvoir récupérer son pouvoir. Alors ce que vous devez faire avec son pouvoir, c'est tout simplement vous l'équiper comme si vous aviez une AR en main. Bah là, vous vous équipez de son pouvoir. Ensuite, vous aurez ses griffes en main. Et à ce moment-là, vous aurez une régénération de PV en illimité. Mais bien évidemment, si vous avez 100% de PV, bah là, vous ne récupérerez pas. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire une rampe de 4-5 d'auteur, vous laissez tomber, et là, vous allez voir, vous allez récupérer des PV en illimité toutes les secondes. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réaliser ce défi. En regagnant 100 PV, vous validerez ce défi et vous gagnerez une émote de Wolverine. Voilà qui termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolou Mike et ciao. Peace.